Hello la famille, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. En fait, c'est l'équipe nationale de foot du Gabon, des moins de 16 ans, je crois, qui devait participer à une compétition ici en France et le visa français leur a été refusé. Vous vous rendez compte quelle humiliation? Bon, le Gabon a tapé un peu du poing sur la table et finalement on leur a accordé le visa, mais trop tard. Les délais ne correspondaient plus à la compétition et finalement ils n'ont pas pu jouer cette compétition ici en France. Vous vous rendez compte de l'humiliation? C'est la raison pour laquelle le Congo a pris les devants, pour pas que la France ait l'audace de faire ça à une équipe nationale de foot du Congo, a décidé de prévenir et de prévoir des trains de sanctions au cas où la France se permettrait de refuser le visa à une équipe nationale congolaise. Alors, il faut savoir déjà que si ça arrive, il y aura des représailles immédiates. Donc la réciprocité diplomatique, ça veut dire que déjà, l'équipe de France, les Bleus, n'auront plus droit à un visa pour se rendre au Congo, par exemple, pour aller préparer un match, pour aller faire un stage de préparation. Ils n'auront plus accès au Congo pour ça. Déjà, donc ça va vraiment les pénaliser. Autre chose, si par exemple le Congo organise la Coupe du Monde de football, l'équipe de France, même qualifiée, n'aura pas accès au Congo, donc n'obtiendra pas le visa congolais pour se rendre au Congo pour jouer la Coupe du Monde de football. Donc ça, c'est très persuasif. Donc je pense pas que les Français vont se permettre de faire la même chose avec le Congo. Concernant les trains de sanctions prévus, bon, le premier train de sanctions, c'est l'arrêt immédiat des grillades congolaises le week-end. Vous imaginez si tous les Congolais de France arrêtent de griller la viande, le ngoulou, le tabac, tous les dimanches, tous les samedis, vous imaginez la perte pour l'agriculture française. Il faut savoir que 47% de la viande bovine française est consommée par les Congolais les week-ends. Vous imaginez? Mais il faudrait mettre une croix sur le salon de l'agriculture. Ah ouais, c'est très grave. Et si la France ne comprend toujours pas? Deuxième train de sanctions. Le deuxième train de sanctions, ce serait l'arrêt immédiat d'achat de Weston par les Congolais. Vous imaginez 74,7% des Weston achetés en France sont achetés par des Congolais. Vous imaginez si tous les Congolais décident d'arrêter d'acheter des Weston? Vous imaginez un instant tous les chômeurs qui seraient dans la rue en train de manifester? Ça, c'est très persuasif. Il faut savoir que le PDG de Weston a donné à tous ses enfants des prénoms congolais. Tellement c'est le Congo qui l'enrichit. Voilà. Mais malgré ça, si la France ne comprend toujours pas, troisième et dernier train de sanctions. Roulement de tambour. L'arrêt immédiat de consommation de bière par les Congolais. Vous imaginez si tous les Congolais de France décidaient d'arrêter de boire de la bière en France? Mais la France serait en crise. Il faut savoir que 87% des recettes de l'État proviennent de la TVA, de la consommation de bière des Congolais en France. Mais vous imaginez? Mais la France passerait de la sixième ou cinquième puissance économique mondiale, mais à la 34e. Donc voilà. Voilà la France est prévenue. Si elle ose refuser le visa à l'équipe nationale de foot du Congo pour se rendre en France, voilà ce qui l'attend. Voilà. Ciao. Qu'en pensez-vous?